Oh, je compte Uni, le joueur des Fnatic, MDR. Vas-y, saute. Ok. Je demandais juste un petit peu d'aide en early game pour essayer de compenser ça, surtout face à Anecton, qui de base normalement met en pression. Je vais demander un petit gank level 2, c'est une strat qui passe assez souvent. Y a pas de modo? Non, j'ai pas encore checké les modos, c'est vrai que bah, je viens à peine de relancer le solo stream, donc c'est vrai que j'y pense. Je trouve qu'elle est pas, y a pas assez de lumière sur la caméra. Bon, ça aussi sera réglé. Essayez de faire le point sur les choses à régler, comme ça pour la prochaine page de... Enfin non, il y aura pas de page de plus été, mais pendant le prochain break, s'occupe de ça. On va voir s'il vient level 2, ce serait cool. Surtout que le Renekton, je peux le gérer en début de partie avec l'équilibrium, puisqu'en fait vous pouvez poser l'équilibrium sans recevoir des dégâts des creeps. Donc de base vous pouvez directement l'aggro pour vous permettre de contrôler la lane. Après ça vaut pas un Q-spell de Renek quoi. Il n'empêche que vous pouvez vraiment embêter votre adversaire. Je pense qu'il va pas venir le Lee Sin. Je fais une demande. Ah si, viens. Ce serait trop bien. Oh, il a plus le stun. Il a plus le stun là, le Renek. C'est très long le CD de Renekton, le stun de Renekton. Allez. Il va essayer de flash out. Ok. Toujours ça de prix. Il peut même revenir direct hein. Bon, c'est pas grave. Putain, dommage j'ai pas mes runes. En tout cas là l'early game est vraiment parfaite pour moi. Enfin mes masteries, j'ai les bonnes runes mais c'est les masteries que j'ai pas. Après la lane peut toujours dans mon sens, là je suis vraiment bien positionné avec Myrelia. Uni! Il est juste parti voir des rivers là au cas où Lee Sin revient sur un timing no flash. Assez logique. Là le but c'est que je perde le moins de points de vie possible. De toute façon je vais faire une early back TP et je pense que je vais prendre un Doran pour compenser mon early dégueulasse. Je peux wait next wave. Rengar est sur la mid lane de toute façon. Il va vouloir me mettre pression, ouais. Prend le coup de tour, c'est cool. Ouais, il prend deux coups de tour. Donc là, je peux farmer tranquille. Ok, il fait un back early fast, non, même pas. Double épée d'Oran. Vraiment que je compense mes maîtrises ratées. Quitte à ce que je prenne un petit peu de retard sur mon Corbule, faut surtout pas que je laisse Renekton prendre l'ascendant sur la lane. Donc c'est très deep comme starter, mais bon. Avec ça, je vais avoir énormément de lifesteal, un bon pool de points de vie et quelques dégâts pour lui répondre en début de partie. Après, là par contre, faut que je rush Trinité quoi, sans faire de détour. Et faut que j'assure un très bon farm pour compenser. Je suis déjà devant lui en termes de farm, juste grâce un petit peu à la pression que Lee Sin a mis en early et au positionnement de la lane.
Donc le but c'est de tenir pour le moment. Et après finalement, dès qu'on va commencer à finir la Trinité, on sortira plus le Final Masteries. Ah, j'en ai raté un. Je peux tenter un Décalmide avec face à Echo en fait. Merde. Ok. Il go full tanky. Très bien. Moi je veux pas qu'il freeze ça en fait. C'est pour ça que j'ai souhaité push rapidement. Donc là je prends un petit peu de risque mais bon. Super important qu'il ne freeze pas la lane. Une guerre qu'elle a toujours campé le mid. Il a eu chaud le Varus. Yoni! En ce moment, Renekton revient de ouf, j'ai l'impression. En tout cas, j'arrive pas de le revoir. Rengar toujours mid. Coup de tour. Ah, il va prendre des coups de tour là. C'est cool. 28 secondes, l'ultimate était un très court le cooldown. Il a pris des mauvais coups de tour là. Il peut plus vraiment me mettre la pression. Faut qu'il fasse gaffe avec les coups de tour là, se faire bait. N'hésitez pas à activer votre Z pour lifesteal. Parce que je rappelle, vous doublez la régène. Ah, j'aurais pas celui-là. Normalement là, je les ai tous. Non. Si. Non, j'ai raté un. 1 minute 10 à tenir pour la TP. Ah. On essaie de le stun. Faire un pour un, un pour un, pour un, pour un. Ah. Yes, ça va. Très bon gank du Rengar là. Mais bon, je fais du 1 pour 1. C'est-à-dire que je prends pas trop de retard. J'hésite à prendre la brillance, hein. Vu comment je le vois jouer Div, je me dis que tu vois sur une petite erreur je peux vraiment le punir. Maintenant la sécurité voudrait que je prenne un phage en early. Oh tu sais quoi, vas-y on va go deep. Je vais peut-être le regretter mais bon. Bon finalement 1 pour 1 c'est cool. 1 pour 1 c'est vachement cool. J'ai occupé le Rengar sur la top lane. Putain de masterisk quoi. 39 AP. Bon après là il y a aussi la brillance qui s'y mêle mais... Mais regardez j'ai tout en AP hein. J'ai la pénétration hybride. Heureusement. Mais j'ai tout, j'ai les pourcentages d'AP en quinté. Le truc c'est que j'ai vachement chaud à cause de l'halogène et je me dis si je mets le ventilo vous allez l'entendre dans le micro. Quoi de l'armure, oh, j'aurais plus fait encore des points de vie. C'est un TP là. Ok, Rengar est bot. C'est une super info. Ok, il a plus de stun. On va pouvoir l'agresser. La brillance, vous êtes obligé de jouer très aggro quand vous faites un rush brillance. Oh non, please quoi.
C'est de l'auto-sustain en fait avec les potions, avec les doubles Doran. J'attends vraiment mon timing ulti. Mmh. 20 secondes, ok. Un petit Z pour régène. Comme si c'est très important hein, d'avoir votre Z disponible. Vous avez vu, la régène est quand même très très élevée. Posez un petit timing comme ça, allez-y. Ça coûte très peu de mana en fait, le Z de Irelia. D'accord. Ok. Tout ça pour ça. Ah. Bon bah finalement. C'était pas prévu, mais il a réussi à le rentabiliser. Ont-ils essayé de me dive? Ils peuvent, hein. Il va falloir qu'ils soient synchro. Essayer de flash out. Faut que je tourne autour là. Allez, allez, ciao. Deuxième chance, vous voulez revenir? Je suis prêt. Oui, ils se sont fait peur les deux là, je pouvais pas vraiment obtenir de kill. Fallait juste que j'arrive à les tempo. La game qui est très serrée, mais bon. Je lui mets 0 quoi. Maintenant qu'il a la Sunfire. Niveau de CS 94 à la 13ème, alors que lui il en a 89. On est très légèrement devant quoi. Mais le Rengar il est en train de snowball hard. Finalement on met un petit peu la pression. Oh, le Renekton il est trop solide pour moi. J'ai une Masteris qui scale pas. Trop costaud. Après je perds pas de farm. Ah quoique la tourelle maintenant. Ça commence à être weak. Parce que là il prend les dégâts avec la Sunfire, il le sait. J'essaie de conserver ma tour à max hein. Mais elle va tomber là. Peut-être essayer de le bait. Ah. Mais non, même pas vers moi. Bon, j'arrête pas de les juke dans ce game quoi. Ils ont vraiment de la chatte que j'ai pas mes runes. Que j'ai pas mes maîtrises. Parce que vraiment, je leur fais. Je leur fais des choses et des choses. Entre le Rengar, le Thresh et le Renek, là, ils ont pris. Hein. Trinity, Trinity, I miss you. Pas le temps pour les bots. Ce KS, je vois qu'on m'a cramé. Hein. On m'a cramé, non mais c'était le but. Hein. Parce qu'en fait je voulais me repositionner en récupérant mon Q-spell au cas où ça pouvait continuer quelque part. Bien joué ça. Il peut pas y aller là le Thresh. Ok, il a plus de dash. Ah. Slow.
Non, je n'ai pas de bottes. Il faut vraiment la trinité très vite. Lucienne 3-0. Ok, bon. On sort la trinité à 16 minutes de jeu. On est un petit peu late, mais c'était prévu. J'essaie de mettre pression là. Le écho direct. Hein. La short de la zone. Ok, il revient sur l'ulti, il se coince. Là, faut tempo. Faut tempo, le Rengar il peut plus vraiment revenir. Bah alors bro, on meurt? Bah alors Echo, on est prêt à mourir aussi? Bon au moins ils ont pas fait le Drake. Echo, please? Non. Parce qu'il y avait le double tranche de Renekton. Après là je pense qu'ils vont quand même faire le Drake. Rotation. Bon, je vais les farm sur la top lane. Je crois que je vais go tanky maintenant. Parce que regardez notre compo, on a quand même, tu vois, Vayne, Varus qui vont pouvoir vraiment DPS. Là, je vais genre go vraiment sur genre, tu vois, Randwin direct déjà. Bah alors de Guillaume meurt. C'est ça. Non là je pouvais pas me sortir de cette situation je pense. J'aurais peut-être du coup un petit peu plus deep sur le Echo mais je savais pas vraiment comment ça se passait derrière. Si j'allais avoir du renfort ou pas. Je vous avoue que le Thresh il m'a un petit peu perturbé. J'ai bien envie de freeze la lane là mais... Le truc de freeze la lane c'est que tu... Enfin parce que vous voyez là il y a pas de dragon par exemple, il y a rien à faire sur le bot side, ils ont déjà pris la T1 mid. Le problème c'est que si je freeze, ils vont faire des grosses rotations à 5 et vous allez voir que mes mates ils vont faire que mourir. Ce serait bien qu'elle le tue en 1v1 bot. Nice ça. En fait on a juste besoin que la Vayne soit feed. J'ai trop de kills. Il reste bien groupé les 4 hein. Ouais, je top farm de la game, mais bon, ça ne compense pas. Moi, je le mets trop cher à lui. Hein. Oh non, t'es sérieux, tu me marques là? Adieu. Faut que je prenne des kills quoi. Donc ouais je disais je vais go full tanky pour vraiment pouvoir défendre sur oula j'ai entendu un grab là. Pour vraiment pouvoir défendre sur Vayne et Varus. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe.
Faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe, faites pas d'erreur, faites pas de bêtises. J'ai mon fantôme qui a l'air sympa. Je suis pas trop chaud pour vous comme ça, mais. Tant que j'attends pas pour la veille, je me dis que bon. Après, je pense pas que c'était la bonne action à faire. On les avait bloqués sur. Ouais. On les avait bloqués sur notre position, je pense pas qu'il fallait go là. Bon. Après quand ça go, t'as pas trop le choix que de suivre. Mais là sans la veine il faut pas qu'on fight en fait. Faut juste qu'on les bloque, qu'on les bloque, qu'on les bloque. Surtout qu'il y avait mon gros farm qui arrivait sur la top lane, non. On peut encore la win. Ce serait bête de surrender après bon. S'ils ont pas le mental. Triste Renekton. Avec NTP. Allez, allez, allez. Bro, s'il te plaît. Ah, bah il est mort. Je vais farm top. Elle est vraiment pas perdue cette game, hein. Je trouve ça stupide d'essayer de surrender. Assez pour le rendre win. C'est pas le stuff que je préfère moi sur Irelia, mais là c'est vraiment genre tu vois, quand tu regardes, quand tu analyses les faiblesses, enfin les forces et les faiblesses de mon équipe, tu sais que t'es obligé de go full défensif. Si je go en mode assassin, chose que je préfère avec Irelia, derrière il y a personne pour défendre sur Varus et Vayne. Là il va loin le Renekton hein. S'il est pas puni là c'est chaud hein. Oh, il est pas puni quoi. Limiter les morts, limiter les morts. Dugby donne l'épée. Donnez. Donne l'épée, donne. Zion vous tend. Est-ce qu'ils ont fait le Nashor ou est-ce qu'ils ont refait un Drake? Le Drake serait le plus safe. Là je push les lanes pour vraiment essayer d'avoir des infos sur eux. Ouais ils ont fait le Drake. Compteur qui s'est pas remis à jour ou quoi? Il a pas encore pop le Drake alors. Putain. Ah ok. Ils ont fait le Drake. Non non mais 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 non. Ça sert à rien. Quoi faire, on fait quoi derrière, même si on gagne le fight, chose qui va être très compliquée. Qu'est-ce qu'on fait derrière? Ils arrivent pas. J'ai une force de siège en face, j'ai l'impression on n'arrive pas à les contrecarrer. Hein. Ok, bon là faut qu'on commence à regrouper, on arrive à la 30ème minute. Franchement encore 5-6 minutes de plus en comme ça, ce serait l'idéal pour nous. Maintenant faut qu'on arrive à récupérer des tours quoi pour au moins avoir des calls. Parce que là il doit avoir facilement, je sais pas, je dirais 6-7k d'avance au moins. Sans compter l'impact que donnent les dragons. Il y a juste moi qui suis top farm de la game, mais ça n'a aucune valeur pour le moment. On garde une certaine vision sur le Nash. Ok, et après.
What the fuck, il bug encore le. Ouf. Ça y est, ça poke. Mais il bug encore le l'ultimate de Echo quoi. Y'a Croco qui va flank je pense. Moi faut que je sois prêt à défendre sur Vayne. Faut juste checker aussi le Rengar s'il ult. Allez, restez coupé, reste la Vayne. Ah, il y a le Rengar, il va la défonce. On pile pour Vayne. Coup de Randwin. Allez, Vayne, fais-toi plaise, Vayne. Please, Vayne. Nice ça. Si on reste compact comme ça, on va gagner les fights. On va commencer à revenir avec les prochains dragons et tout. Care. Même si là, il n'y a plus l'ultimate de Rengar. Ils peuvent quand même essayer de pousser je pense. Ah putain, je leur dis en plus qu'il fallait faire attention. Please, pourquoi? J'aurais dû rester avec eux, mais je pouvais pas prévoir qu'ils allaient se donner comme ça. Dommage, on avait fait un bon fight là. Jouer. Ça crée un décal ça, c'est à dire que je peux prendre encore une wave de plus au moins. Je suis vraiment très bien niveau farm hein, et pourtant je vous l'ai dit, on a vraiment des vrais masteries de merde dans ce game. Mais bon. Il y a presque 16 minutes, 250. Mon vis-à-vis il est à 162. Donc imaginez l'écart quoi. C'est très violent. J'ai ma TP mais ils ont pas. Oula. Bien joué ça. Dommage. Bien joué ça. Oh le splash. Là je vais pouvoir Q-splash sur le sbire. Y'a l'ultimate de Rengar ou quoi? Non. Si y'a l'ultimate de Rengar. C'est moi qui tank. Le Varus il est bien là. Ah j'aurais pas visé là bas. Bien joué ça. Faudrait qu'on reste ensemble. Oh j'ai failli jump sur le petit creep. Est-ce qu'on a le timer du Drake? Vraiment pas jouer le speed push là. Faut que dès que j'ai une occasion de regroupe, je regroupe. Faut toujours jouer avec ma team. Timing Dragon. Peut-être que quelqu'un là par hasard. Prends une balise de vision au cas où on a moyen d'attraper le Rengar sur une fufu. Bon, vous avez vu comme quoi la game qui était chaude, qui voulait sur end, elle est pas si perdue que ça. Maintenant, je dis pas qu'elle est gagnée, hein, mais. Je pense que c'est sous le timing Drake quoi. Be careful hein. Be careful bro. Faut mettre de la pression sur les lanes hein. Vous voyez depuis tout à l'heure je push les lanes parce que faut. Notre seul moyen d'avoir la vision, on peut pas l'avoir celui-là. Next. Don't. T'inquiète pas, j'essaie de les occuper. Ils courent really si vite. Allez, mais wesh derrière. Allez, chassez-moi encore, s'il vous plaît, chassez-moi encore. Bande de bronze, là.
Bien. J'ai poussé mid, hein. Bon, j'aurais peut-être même pas dû claquer mon flash. Après, j'étais quand même face à un gros Rengar énervé et un Ekko. Mais derrière, ils ont réussi à catch quelqu'un qui avait du mal à me chase. Et je vous dis, voilà, faut pousser les lanes pour essayer de provoquer du mouvement. Après, avec Irelia, je peux me le permettre. Je suis level 17 dans la game, hein. C'est assez énorme. Je peux en regarder en face 15-15, 12-15-15. Donc, enfin, je suis vraiment, vraiment feed, hein, dans cette game. Je sais pas si vous vous en rendez compte. J'ai quand même presque 300 CS à la 31ème minute. Genre, j'ai fait une game discrète, mais une game très solide. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il faut que je reste avec mon équipe. L'erreur serait de jouer solo. Voilà, là on a vu le Rengar, la petite pique quoi. Je vous l'ai dit qu'il allait faire la différence. Lui il meurt. Et derrière on peut continuer. Ça, il est slow. Voilà, c'est bon ça. Reste, 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 reste. Il a même pas fait gaffe, je pense, le Rengar à la pink ward dans mon stuff. Parce que là, il a, vous avez vu comme il a joué comme si il savait pas qu'il était vu. Il y avait un gros gros push bot. Là, le seul truc, il faudrait qu'on arrive à bloquer le prochain, enfin un Drake quoi. Ouais, il doit revoir extend lui. Allez, bien joué ça, les gars. On leur donne un peu de motive. Je peux stun instant. Lui il est stun. Allez, taper, taper, taper. Je le Q. Toi tu dégages. Backé, 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 backé. Je fais juste ça pour le faire reculer. Bah, 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 ouais. On va continuer sur du full tank, hein. Putain, je me tâte à faire une gloire du juste tellement. Toujours le trinket rouge. Je me dis que putain, je transpire tellement l'halogène, elle me donne chaud. Je me dis que si c'est pas moi qui prends la vision sur le Rengar, personne vraiment va le faire. Et là, j'ai pris couleur du juste directement pour pouvoir, vous avez vu, continuer d'aller vers l'avant. Je te vois. Et je te tue. Espèce de petit level 15. Allez, ciao. Qu'est-ce que vous voulez faire là? Bon, ok, je suis mort. Ok, ok, c'est bon, je rigolais. Ah bah non, je suis pas mort. Et bah, j'ai pas dit mon dernier mot, je vais revenir. Alors, pas tout de suite. Pas tout de suite. Maintenant. Ah, c'est Bolzy. Allez, bute-le là, please. Oh, Rin. Merci, je l'ai buté. Ce mec est mort, je suis heureux. 700. Ça va, je vais avoir assez. Non, il peut pas finir là. Ils pourront pas. Ah, quoi que, ils pourront prendre une hip de plus. Peut-être, j'allais dire, ils peuvent pas prendre une hip de plus, mais. J'avais pas anticipé la TP de Renek. On peut-être prendre l'inhib, là, ce sera relou. Pour le Nashor derrière. Ok, faut rush Nash. Ah, faut le go. Dommage, c'était pas un bon fight ça. Enfin, le Rengar il a été d'aucune menace. Le Renekton il a été contrôlé, donc vraiment c'est Lucian qui a dû saouler. Allez-y, allez-y. Si on arrive à la. Ouais, dommage. S'ils arrivent à prendre des kills là, supplémentaires, ce serait vachement cool. Parce qu'en fait, même s'ils ont le Nashor, ça va décaler les cooldowns et on pourra récupérer nos inhibiteurs sans problème. Continuez, continuez si vous pouvez même.
que l'heure du juste là. En plus, si je croise un gars, je peux vraiment le go. Oh, Echo, je l'ai bloqué. Non. Elle renique ton top. Aïe. Ça y est, trèche. Putain de tour de merde. Bon, on a réussi à tuer quoi, 4 gars. Rington est mort ou pas? Rington n'est pas mort. Ah, maintenant faut défendre. Ah, bah toi t'es mort. Et non, tu ne me tueras pas. I'm sorry for you. Sniper? Oh! Les plays. Non mais non, là par contre tu forces un peu mon gars. Moi je te dis adieu. Parce que si je meurs, qui défend la base? Un peu en galère le Renekton. Mais il va le tuer quand même. Ok, c'est à dire qu'on va récupérer les inhibiteurs et on va pouvoir rejouer sur des teamfights. Stay in base. Le seul souci, c'est qu'ils vont avoir 4 Drake. Wait for inhib, we don't care about dragon. Wait for 5. Bon, j'espère qu'on me comprend un minimum. Là je les trouve par exemple un petit peu trop avancés sur la sur le bot side. Même s'il n'y avait pas de risque hein, vu qu'ils sont sur les timings de rip-hop. Dans tous les cas on aura récupéré les inhibiteurs au moment où ils auront les... Enfin on sera en attente du 5ème drake. Donc les drakes pour l'instant, certes c'est une grosse menace mais on peut rien y faire. C'est plus intelligent de jouer la game dans 3-4 minutes quand on a récupéré les inhibiteurs sur un vrai 5v5 quitte à le perdre que maintenant sur un Drake. Alors qu'on va avoir pression sur les waves. Et qu'en plus de ça on pourra pas. On pourra vraiment pas le contest. Ce qui est chiant c'est leur buff de Nashor. Maintenant on peut quand même gagner le fight. On peut quand même gagner le fight si on fait un beau fight. Ah, la pression top. Oh non, il a claqué l'ulti. C'est fini. Il a claqué l'ulti. Je pile hein, toujours pour la backline. Maintenant là, il y a beaucoup de spear. Ah, dommage. Avec l'ulti de Varus, peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose là. Sans l'ulti de Varus, c'est chaud. Regardez, la Vayne est DPS. Hein. La Vayne a fait le taf. Hein. Sérieusement, la Vayne a fait archi le taf. Elle mérite pas hein, de perdre comme ça bêtement. Donc, ça va, on va pouvoir défendre. C'est pas fini, mais. Pff, Lucian, quoi. Please. Donc là, on va pouvoir récupérer les deux inhibiteurs. Mid et top. Par contre, ils ont fait le Drake. Ouais, ils ont fait le Drake. Pas le timing du 5ème Drake. Pas gagné, hein. C'est pas gagné mais c'est pas perdu. Parce que là on va récupérer deux inhibs, on va pouvoir repousser le bot, là ce que je vais faire direct dès que je rip hop. Drake ça va être dans à peu près 4-30 drag, maybe. Je sais pas le timing exact. Nashor va arriver exactement sur le même timing que le dragon. Ça va jouer sur un team fight. Sans pression des sbires, sans rien. Donc juste entre le GA et la côte épineuse là. Si j'ai assez Q pour la côte épineuse, je ferai la côte épineuse. Ça coûte beaucoup trop cher. Et ça va jouer sur le prochain teamfight de toute façon. Regroupe. All. J'aurais jamais 2050. Voilà pour la côte épineuse. Bien joué ça. Je sais pas ce qu'il a foutu là mais ça fait trop la diff ce kill. Push. Quel contrôle.
On a 40 secondes vraiment tranquille. Donc on va même pouvoir récupérer du coup le troisième inhibiteur. Voilà, Echo il a son bleu. Push un peu bot là. Un mec bot. One bot. T'inquiète pas, il peut pas vraiment fight sans. Sans le Rengar. Là. Nulle part tu iras. Allez, je veux la gagner cette game, sérieux quoi, je l'ai pas tryhard pour rien. Alors ouais, ce qui paraît c'est Bagdad sur le chat, mais on verra pour les modos juste après, je vais en mettre 2-3. Fais pas le héros, fais pas le héros. Tranquille, no pression, y'a pas de pression à avoir. Tour top. Gear 5 Dragon, ouais, mais. Nash. Gonash. Take it. Par un putain de. Ozomi. Oh putain, fuck. La timing quoi. Late. Ah, ça s'est joué à 30 secondes quoi. Et pourquoi? C'est une raison tu vois pour laquelle il faut toujours prendre les timings. Là on n'est pas vraiment le timing exact. On arrive ouais 10 secondes trop tard quoi. On pouvait clairement le défendre celui-là. Donc 5ème drac. On peut quand même gagner le teamfight hein, clairement. Ça va juste du contrôle en fait. Faut voir que je encore une fois que je pile pour la Vayne. Si la Vayne meurt pas, c'est win hein. Récupérer son GA. Là, vas-y, fais-toi plaisir, Varus. Là, t'es late game, les Q spells, ça doit partir. Hein. Envoie la sauce, Varus, amuse-toi. Ils ont aucun inhibiteur. Il y a genre nos moyens qu'ils en prennent un. D'accord, et après, tu as pas remarqué que t'avais perdu plus de dégâts que moi? Idiot, là. Allez. Moi je vais pas que TP là. C'est win normalement. GG roleplay. Bah dit mon dernier mot bro. Je vais la carry jusqu'au boost game. Allez c'est fini. Enough. Terminé. Terminado. Ça veut rien dire. Pas. Non, mais tu vas rien défendre. Et B, 3 inhibiteurs down et on gagne la game. 3 inhibiteurs tombés. Putain. Moi j'ai envie de dire un truc, c'est putain de masterise quoi. Putain de masterise de merde. On va voir les masterises que j'avais parce que faut se rendre compte des choses quand même au bout d'un moment.
Dégâts physiques subis, dégâts subis. Tu vois, on a tanké quand même. Mais c'était vraiment le rôle qu'il fallait que... Enfin, c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours adapter son stuff par rapport à la situation. Enfin, n'ayez pas genre une idée d'utilisation et ne la suivez pas comme un idiot. Là, clairement, regardez les forces de notre équipe. On a Lee Sin qui peut juste disengage mais qui peut pas peel. On a Lulu qui va juste pouvoir renforcer soit moi si je suis en front lane, soit la back lane, c'est-à-dire la Vayne si on la go de manière assez brutale. Et donc si moi en plus je pars en mode assassin, enfin il y a un déséquilibre qui se crée naturellement dans notre compo. Fallait vraiment que je sois là, vous l'avez vu, vers l'avant, capable de me prendre les ou, capable de d'aller sur le Rengar, sur le Renekton sans avoir forcément peur. Parce que normalement le Renekton, si je go full assassin avec mon stuff fameux Trinité, Bode Berserker, Zephyr, si j'avais fait ce stuff là, derrière le Renekton il m'aurait mis... Enfin, deux coups et je serais mort en teamfight quoi. Donc fallait vraiment vraiment que je peel. Donc tanky. Après c'est vrai que j'avais pas non plus la game entre les mains, mais j'assurais un bon farm, j'ai assuré des bonnes rotations, une bonne présence en teamfight et des calls quoi. J'ai call toute la game. Maintenant l'équipe a suivi et la Vayne a fait une très très grosse game hein. Pour moi la Vayne elle a fait une très grosse game. Ouais je voulais voir les maîtrises. Donc voilà ce que j'avais. Le truc bien dégueulasse sur Irelia. Hein. Putain, et la page s'appelle Irelia. Je suis vraiment un mongol. Faut toujours checker les runes et maîtrises. Bon, bah c'est pas grave. On a quand même gagné la game. Dans la douleur, mais on a quand même gagné la game.